Impa, magistrate adjointe, prête au combat. C'est parti. Un petit combat tranquillou-bilou contre des ennemis, j'espère, de forte qualité, tant en stratégique en tactique stratégique. Vous voyez quoi. Le jeu t'annonce qu'il y a déjà eu 33 dialogues. Allez, on n'a que 5 minutes pour tuer les moblins de glace. J'avoue qu'avec avec l'oiseau, ça aurait été certainement plus facile. Et aussi certainement mon arbre. Châtiment. Ouais, viens à moi. Alors. C'est tout? Ah ouais, je pensais qu'il y en aura un peu plus que ça quand même. Déception.
C'est une force nouvelle. Bien joué. Oh, Casio qui me sauce 40 fois. Ça c'est de la sauce, ça c'est du sauçage. Hein. Moi je vous le dis, quand vous avez un poteau comme Casio, gardez-le. Bah, gardez-le pour plus que les dons. Hein. Soyons d'accord. Sauce au poivre! Waouh, bla, ça a l'air bon. Bah ça va bien et toi mon ami? Ça va, ça va. Ouais, je sais. Allons-y. Allons protéger notre compagnon avec la femme poisson. Je crois que tu défonces des armées. Ouais. Par paquet de 50. S'ils sont pas par paquet de 50, j'y vais pas, de toute façon. Je trouve que c'est inutile de déplacer quelqu'un d'aussi compétent que Link pour se battre contre un seul monstre, quoi. De toute façon, c'est le seul qui avait tout compris, tu vois. Au début du jeu, il a pas pris le casque, il a pris les genouillères. Et c'est le seul qui a encore un cerveau dans toute l'armée. Parce que visiblement, les gardes, ils ont un grain, quoi. Enfin, y a un truc qui va pas, quoi. Mes femmes, mes tons. Ma femme ton. C'est comme le feuilleton. Les warriors sont cool, mais en fait ils ont tous le même défaut. Tu vois, sans aller vite ou sans presser, en fait, Link il est déjà au-dessus de tous les monstres que je rencontre. C'est pour ça que je me force un peu à jouer avec les autres. Oh, je kiffe Impa, hein, déjà. Si je pouvais l'épouser, j'épouserais une femme. Ah non! Explosé.
Ah, c'est vrai que le contenu est souvent assez court. J'ai vu que tu pouvais faire toutes les missions à deux, ça a l'air bien. Certainement en local. Oui, voilà. Après, c'est ce qu'ils ont l'air d'avoir fait. Hein. Ils ont l'air d'avoir mis tous les personnages un petit peu cool du jeu, tu vois. T'as les quatre héros. T'as Link, Zelda, Impa. Il faut encore que je débloque tout le reste. On est encore au début du jeu. Hein. Ça va le reconnaître aussi. Hein. Sous 40 persos, c'est pas intéressant. Ah, ben, c'est pas Smash Bros non plus. Pourquoi elle? Par contre, j'ai l'impression qu'on chope 60 milliards de matos, mais en fait, il n'y a rien qui sert. C'est ça, et puis il y a le côté fan service, tu vois. Moi, je suis un bon. Je vais pas dire que je suis pas fan de Zelda, parce que ça serait mentir. Et ça joue beaucoup. C'est ça, il faut des bonnes grosses attaques, il faut que les persos te plaisent. Il y a beaucoup de jeux aussi qui jouent, contrairement au Dynasty Warrior, où il y avait aussi pas mal de trucs historiques japonais qui nous passent un peu au-dessus de la tête. J'aimais bien Dynasty Warrior, t'as un bon côté... T'as un bon côté défouloir. Et je l'ai trouvé plus équilibré niveau puissance. Bon, il nous faudrait des fruits du sud un petit peu. Et du poulet. Mon dieu. Il n'y a que ça normalement dans le jeu. C'est ça. Les Dynasty Warriors sont très très cool. Attendez-vous à de grands exploits de ma part. Alors je sais pas où elle en est maintenant, mais je sais que Mimi était très fan des dynasties. Elle était capable de monter des personnages pendant X temps pour pas grand chose. Les Gerudo vivent dans une cité des contrées Gerudo. C'est un peuple du désert, noble et fort, uniquement composé de femmes. Urbosa, la chef des Gerudo, doué de la prodigieuse faculté de contrôler la foudre et d'une exceptionnelle aptitude au combat, a été choisie pour piloter la créature divine Fana Boris. Elle était également une amie très proche de la défunte reine Tyrule. Accompagnée de Link, Zelda se rend en tant qu'émissaire du roi Tyrule à la cité Gerudo. Mais en chemin, les événements prennent une tournure des plus inattendues.
Pam. Pam. Ouais, mais tu me connais, moi pour moi l'histoire est trop importante quoi. Ouais, faut que je la fasse, je la ferai peut-être tout à l'heure, je pense. Je la ferai en live. Je l'ai téléchargée. Non mais qu'est-ce qui leur prend au Gerudo de nous attaquer comme ça? J'ai pas encore vu, donc ouais, si tu veux on en parlera plus tard. Nous devons aller le demander à Urbosa en personne. J'ai fait exprès de pas me spoil, j'ai pas regardé les vidéos de Benzaï de... Non. Mais bon, il faut bien qu'on te pexe à un moment, quoi. Tu es Piaf avec. Merde. Tout le monde a remarqué que j'avais quitté Pokémon pour venir ici. Mais ces soldats qui bougent pas quoi. Je sais pas si la Switch était bien adaptée pour jeu. Allez, courage et bon Excalibur du coup. C'est moins drôle avec le pied à fond. Faudrait que je l'ai jamais fait Hyrule Warrior du coup. Je me rappelle plus si je l'ai. Par Hyrule Warrior, Fire Emblem Warrior. Encore une victoire pour de canard. Ah et puis là, à mon avis, on pâtit du fait que du coup c'est un désert, du coup c'est tout ouvert. J'avais pas cette impression de... d'ennemis qui bougent pas. Allons tuer le mec à la foudre. Allez. Bah alors, Impa, tu t'ennuies? Encore une victoire du canard. Ou du connard, je sais pas. Et ils volent.
Il s'accroche à sa vie. Merci pour le follow. Autant il est efficace, autant c'est pas super cool de le jouer en fait. J'adore la logique en fait. Les mecs sont déjà deux là et si en fait j'étais pas venu, ils auraient jamais réussi. Les portes sont ouvertes, allez tous dans la cité. De toute façon je la sens déjà l'excuse de ah mais on croyait que vous étiez Koga. C'est un peu dommage parce que du coup en fait plutôt que se battre contre les monstres on se bat contre des alliés. C'est la deuxième fois, ils nous l'ont déjà fait avec les piastres. D'accord, il est beaucoup trop rapide et beaucoup trop puissant. Les boucliers des ennemis n'y tiennent pas vraiment quoi. Tu faisais la sieste pendant le combat, non? On n'a pas fait assez de bruit? Pourquoi? Pourquoi fais-tu une chose pareille? C'est ici que votre destin s'achève. Princesse Zelda. Je suis rentrée aussi vite que j'ai pu. Mais je n'aurais jamais cru me retrouver confrontée à ça. Urbosa ? Au moins vous n'avez rien, n'est-ce pas, madame ?
fallu que tu interviennes. Eh bien, puisque c'est comme ça... Les petits jeunes, je compte sur vous. Vu que c'est comme ça, moi je me casse et je vous laisse mes sous-fifres. Petite danse électrique. Vous m'agacez. Des bananes. Chance de m'avoir face à toi. Voyons.
Bon, tout est fermé de ce côté, donc on va prendre le piaf. On va nettoyer de l'autre. Attendez-moi, j'arrive! Encore une victoire de canard. Désolé, hein, je viens vous aider, mais vous avez l'air de galérer contre 4 monstres alors. Pour moi.
aucune pitié. Bourbossa, s'il n'y a que cela pour te faire plaisir. Avec ça, on va. Des attaques bruyantes à coups de bombe, alors que l'autre il faisait des attaques spéciales où il y avait une énorme explosion de la flamme. Ah, c'est pour expliquer l'avenue du. J'avoue que le Kagebunshin dans ce cas-là il doit être pratique. Et si je gelais tout ça? Si je gelais tout ça.
Et si je gelais tout ça? Merde, c'était même pas un combat en fait. Enfin, c'était pas obligatoire. Il y a même Impa pour m'aider au cas où j'en aurais besoin. Et Zelda. Bon, ça va rien, mais... J'aime l'idée qu'ils aient eu
de faire qu'il y ait plusieurs gars sur la carte et que tu puisses changer comme ça. Mais bon, quand tu les contrôles pas, ils sont pas très utiles quand même. Cela pour te faire plaisir. Il y aura plein de trucs pour me faire plaisir, mais on va pas en parler là, quoi. C'est pas en privé, Barbossa. Ouais. Si je gelais tout ça. Il y en a deux ou il y en a quatre? C'est lui. Je ne me ferai pas avoir.
Si je gelais tout ça. Je vais garder juste pour ça. Pam pam pam. Pam pam pam. Comment ai-je pu être vaincu par ces vermines ? J'ai bien failli y rester. Il a l'air classe, lui. Ça ne se reproduira pas. Oubliez-le. N'y pensez même pas. Ah oui! Ah oui! Ah, elle est classe, celle-là. Vibe it for you. Défense contre la foudre. Pardonnez-moi de vous avoir fait déplacer jusqu'ici. En ce moment, la confusion règne dans la cité. Cela ne me dérange pas, Urbosa. Ce n'est pas ta faute. J'imagine que vous connaissez le gang des Higa, n'est-ce pas? C'est une branche dissidente du clan Sheikha qui a pour but de ressusciter le fléau Ganon. Ces bandits ont étendu leur influence jusqu'ici, dans le canyon Gerudo. Nous ne pouvons pas éternellement les laisser faire sans réagir. Je vais piloter Naboris. J'en accepte le commandement. De la part d'une personne aussi chère à mon cœur, c'est une demande que je ne peux pas refuser. Je te remercie, Urbosa. Moi aussi, j'accomplirai mon devoir en tant que princesse d'Hyrule. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit, je le ferai avec plaisir. Alors, revenu la queue entre les jambes. Si je n'avais pas été interrompu, j'aurais... À vrai dire, je ne me suis jamais attendu à grand-chose de votre part. Eh ? Enfin, qu'importe. Allez !
Montrez-moi l'avenir. C'est ce destin que je veux voir advenir. Je ne permettrai à quiconque de le changer. Tintin. Barbosa. Oh. Mais oui, j'ai vu le robot que tu vous conseilles. Impressionnant. Il s'appelle Nono, c'est un petit robot qui est casse-couille. Ça rime pas, j'ai une andouille. Bon, on l'a vu l'antagoniste, c'est un sorcier du mal. Attendez quoi, mademoiselle? Je vous invite à venir attaquer ou pas? Avant que l'objectif apparaisse, j'avais tué 3 des capitaines. Il reste plus que toi. Toi était la plus forte. Thank you.
Qu'est-ce qu'ils ont? C'est bon.
Non, pourquoi ils ont changé les cristaux pour les épreuves basiques? Vu qu'ils réutilisent le nom, ils auraient pu réutiliser aussi les cristaux. Je vois pas l'utilité de changer la forme. Thank you.
Et ouais, les petits. Je viens de comprendre à quoi servait le bonus sur certaines épées pour avoir plus de bouffe. Et plus le temps qu'on attendait d'avoir le poulet pour faire la boucle qui se trouvait à Hyrule. Quelle réussite!